Bonjour Mickaël, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour Philippe, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors, explique-nous rapidement ton parcours du coup. Alors, mon parcours, donc je suis le PDG et fondateur du réseau meilleurbien.com, qui existe maintenant depuis 11 ans. On a fêté notre 11e anniversaire le 20 décembre. 11 ans, et auparavant, je faisais tout autre chose. J'étais directeur de production cinéma et télé. J'ai fait beaucoup de clips, d'émissions télé, etc. Et je suis arrivé à l'immobilier parce que j'ai eu quelques expériences personnelles. Alors explique-nous du coup, pourquoi tu es arrivé dans l'immobilier du coup? Alors, je suis arrivé dans l'immobilier parce que d'abord, j'ai eu quelques expériences personnelles hyper intéressantes, hyper enrichissantes, mais pas toujours avec les bonnes personnes. Et je suis malheureusement tombé sur des personnes qui avaient une approche de l'immobilier qui est tout ce que je détestais. Et moi, venant de l'image, je ne comprenais pas déjà pourquoi on ne pouvait pas bien présenter le bien, pourquoi on ne pouvait pas me donner l'adresse, pourquoi on ne pouvait pas me donner les informations que je demandais. Là, je me suis reconverti dans l'immobilier il y a une petite quinzaine d'années, parce qu'auparavant, avant Meilleur Bien, j'avais également une autre société dans l'immobilier avec deux autres associés, puis je leur ai cédé mes parts parce qu'on n'avait pas la même vision du business. Ok, et alors très clair, et parle-nous alors de tes débuts avec Meilleur Bien, en gros, ça ressemble à quoi les premiers mois, la première année? Alors, la première année, je vais te parler de la première année d'il y a 11 ans. Il y a 11 ans, j'étais sur ma table de salle à manger avec un Mac et j'ai tout créé en étant tout seul avec trois bouts de ficelle et voilà. Voilà, c'est généralement comme ça. C'était pas dans un garage, je vais pas faire l'histoire du garage, mais là, Mais c'était c'était presque sur une table de salle. énorme. Et c'était en fait, il fallait absolument tout faire. Et donc, j'ai développé un petit peu Meilleur Bien avec quelques agents commerciaux dans Paris et proche banlieue. Et c'est qu'en 2018, on a fait un vrai pivot avec une offre de plateforme digitale et c'est là où on a pris un vrai tournant. Énorme. Alors parlons de Meilleur Bien un peu. Qu'est-ce que ça fait concrètement justement cette plateforme? Pourquoi elle est utile? À quoi ça sert? Alors, en fait, Philippe, on a créé cette plateforme avec Julien Maudit, mon associé. On a créé la plateforme qu'on aurait rêvé d'avoir il y a 11 ans. En fait, tout est parti de là. Et en gros, si tu veux, c'est une plateforme d'outils digitaux qui te permet d'avoir tout ce dont tu as besoin pour travailler et qui va te permettre d'avoir une rémunération maxi. C'est-à-dire que nous, on ne prélève pas de commission sur les ventes des agents, mais simplement, ils ont un abonnement mensuel et ils ont un petit forfait de transaction. Ok, Voilà. ouais, donc en fait, les agents payent un abonnement mensuel pour accéder à la plateforme. Ouais, donc en fait, ça change complètement un peu le game qu'il y avait dans l'immobilier avant, quoi. C'est exactement ça, parce que aujourd'hui, si tu veux, il y a les agents commerciaux indépendants, soit ils travaillent dans des agences immobilières traditionnelles, comme tu peux le connaître, comme tu dois en avoir en bas de chez toi, Ouais. soit dans des réseaux de mandataires. Et dans un cas comme dans l'autre, on leur prélève soit 50% de leur commission qui reviennent à l'agence, soit 30% en moyenne qui revient au réseau. Nous, on a changé un petit peu le game et on s'est dit, on va reverser 100% des commissions, on prend juste des frais de gestion, mais surtout, au-delà de ça, de leur apporter une plateforme digitale qui est unique en fait dans les réseaux de mandataires et on est plus positionné, si tu veux, tech avec cette plateforme que réseau traditionnel qui va t'appeler pour te dire alors, vous avez fait votre prospection, voilà. Je comprends bien, ouais, je comprends bien, donc je comprends bien la différence. Super. Et alors, vous êtes combien aujourd'hui chez Meilleur Bien? On est quasiment 300 à l'heure où je te parle. Énorme. On est quasiment 300 agents mandataires répartis sur 70 départements en France. Et ce que je trouve aussi de génial, c'est qu'on est également en Guadeloupe, en Martinique, à La Énorme. Réunion, en Guyane. Alors, il nous manque encore la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Barth. Je lance un petit appel, hein, au cas où. Énorme, putain, ma belle expansion, du coup, c'est chouette. Et alors, du coup, on rencontre toujours des difficultés dans sa vie d'entrepreneur. Et est-ce que tu en as une qui t'a particulièrement marqué, que tu voudrais me parler? Écoute, Philippe, il y a
tellement de difficultés quotidiennement dans ce métier, mais bon, qui est passionnant, hein. Il y a beaucoup de difficultés et puis des fois, alors c'est, je le ressens un petit peu moins maintenant, mais c'est la solitude. Des fois, on se sent un petit peu seul quand on est entrepreneur et qu'on a quelques problématiques. On se sent un petit peu seul avec soi-même à devoir résoudre tout ça. Je cours beaucoup, je fais beaucoup de jogging. Ça me permet de régler beaucoup de choses avec moi-même et pour ma boîte. Voilà. Énorme. Bah, merci pour le tuyau. On va tous se mettre à courir du coup Ah, il va falloir acheter des running pour s'aérer et y l'esprit. aller. Génial. Et alors, peux-tu m'expliquer comment est-ce que tu gérais ta trésorerie du coup au début pour meilleur bien? Comment ça se passait globalement? Alors, je la gérais, je ne vais pas dire comme un épicier, mais on va dire que j'avais un Google Sheet sur lequel j'avais mon tableau de bord. C'est venant de la production, donc je savais faire un devis, tu sais, un devis de film, c'est 600 lignes. Donc j'arrive à deviser, à voir un petit peu le projet, etc., etc. Donc, pas de problème de trésorerie particulièrement, mais je gérais ça de façon un peu au feeling, mais sans avoir l'outil, que vous avez. Et qui m'a changé la vie parce que je trouve que c'est hyper bien fait, c'est hyper simple. Là, je sais exactement combien on va avoir à payer de TVA chaque mois. C'était une vraie problématique pour nous. C'était un peu notre expert comptable quand il m'appelait. Je ne savais pas quel allait être le montant de l'addition parce qu'on a de gros flux financiers. Pour te donner une idée, 2021. On clôture un bilan à un peu plus de 9 millions d'euros hors taxes, ce qui fait beaucoup de flux et il faut anticiper les histoires de TVA. Et depuis que j'utilise RocketChart, depuis 1 an et demi ou 2 ans, je crois, franchement, j'ai plus cette mauvaise surprise, j'ai plus cette boule au ventre. Quand l'expert comptable m'appelle, j'ai plus mal à la tête quand il m'annonce le chiffre. Je le connais même en avant. Je connais en Génial. avance. Donc, ça, pour ça, c'est super. Je voudrais même rajouter un point par rapport à RocketChart. Au-delà de ce côté TVA qui répond peut-être à mes besoins, mais je me sers de plus en plus de RocketChart parce que ça permet d'avoir une analyse très fine sur le coût de chacun de ces postes à l'année, au mois, etc., au semestre. Donc, ça permet de bien ajuster les budgets. Tu vois, par exemple, pour préparer le budget 2022, je me suis beaucoup appuyé sur RocketChart. J'ai analysé assez finement certains postes et ça m'a permis de déterminer les budgets qui allaient être alloués pour 2022. Ok, je comprends bien. Bah, super. Alors, si ça a pu t'aider et te faire gagner du temps et puis t'apporter une bonne visibilité, c'est l'objectif, donc tant mieux. Je suis content de l'apprendre. Alors, peux-tu nous décrire un peu très rapidement hein, l'utilisation que tu peux avoir quotidiennement de RocketChart? Qu'est-ce que tu fais en fait sur l'outil quand tu y vas? Alors, sur RocketChart, en fait, ce que je fais, bah, j'ai déjà toutes les opérations qui sont gérées et que je vais pouvoir pointer assez régulièrement avec. Et puis, ça me permet des fois certaines opérations qu'on oublie. Voilà, surtout que là, je te disais, on a une volumétrie qui est assez importante. C'est important de tout maîtriser, ouais, je comprends. Exactement, exactement. Et là, j'ai une vision qui est beaucoup plus fine que je n'avais pas avant parce qu'il fallait aller sur sa banque, etc. Mais là-dessus, et puis il y a un truc que vous avez fait qui est génial, hein. C'est cette intelligence artificielle que vous avez rajoutée une fois qu'on a enregistré une, deux fois une opération avec un intitulé, elle va se réorganiser toute seule. Bah, Donc ça, c'est fabuleux. le but, c'est de te faire gagner du temps au quotidien, donc on essaye Mais c'est le cas, hein, c'est le cas. C'est le d'être. cas. Et d'ailleurs, franchement, c'est un outil qui est génial, que vous avez peaufiné, que vous améliorez assez régulièrement. Et je dois saluer ça parce que des fois, il y a des outils qui en fait sont mis en place et puis après, ça bouge plus pendant des années. Non, ce n'est pas votre cas parce que vous, vous cherchez à l'améliorer très régulièrement et ça, c'est génial. Donc, vraiment bravo. Merci du coup. On l'améliore de toute façon grâce au feedback de nos clients dont tu fais partie. Tu nous as pas mal aidé. Donc c'est aussi grâce à toi que l'outil s'améliore. Donc je te renvoie l'appareil. Hein. Merci également. Avec plaisir. Et alors un dernier petit mot ou un conseil pour je sais pas, les lecteurs du blog. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire pour ceux qui veulent se lancer, qui se sont lancés
Alors, ce que je voudrais leur dire, c'est qu'il faut se servir de certains outils qui sont à notre disposition et qui permettent d'avoir, bah déjà, quand on se lance, on va avoir besoin de faire un BP, un business plan, mais après ça, l'outil de gestion, l'outil de trésor, de pilotage de trésor que vous avez mis en place, sincèrement, si j'avais eu connaissance de votre outil, bah, il y a 3 ans, 3 ans et demi, quand on a commencé à développer Meilleur Bien, franchement, ça m'aurait évité des vraies tannées avec mon Excel ou mon Google Sheet. Donc, Rocket Chart fait partie des outils aujourd'hui incontournables dans la gestion financière et quotidienne de Meilleur Bien, qui est un peu ma partie. Donc, je me sers de votre outil tous les jours. Merci du coup, Mickaël, pour ton interview et pour ton temps, et puis pour tes retours à la fois sur ton expérience et puis ta gestion financière de Meilleur Bien, en espérant du coup que tu continues sur la belle lancée en 2022 avec une Merci. bonne croissance et que tu arrives du coup à aller dans les dom-toms où tu n'as pas encore réussi à mettre les pieds. Oui. En fait, je sais que c'est un gros, gros, gros boulot ce que vous faites, vous, en back-office, et ne lâchez rien parce que vous avez un très bel outil qui est hyper, hyper intéressant, hyper fluide, hyper intuitif, hyper complet, qui permet d'avoir une vraie analyse de sa trésor et qui sert les entrepreneurs au quotidien. Donc, franchement, ne lâchez rien, vous avez un très bel outil. Et oui, compte sur nous en tout cas pour continuer notre développement. Et on va y arriver, hein, aller à Saint-Barth Ouais. et en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie surtout, ça serait formidable. Te le souhaite. Merci Mickaël. Ciao. Merci à toi, Philippe. À bientôt. Bye bye.